Ouais, j'ai mis les couleurs normales, ça sera peut-être mieux. Parce que là, quand je fais ça, ça bug. Et quand je remets comme ça devrait marcher. Du coup, je réactive le Fixbox Code, traverser les murs, marcher super vite. En sens, je fais pas de battle. Ah non, c'est bon. Mais c'est chiant, il n'y a personne. Ah, tu vas voir. Rochanel. J'ai reçu un message de la part de Alex. À ce qui paraît, il y a Saï qui est de retour. Voilà, c'est comme ça que je traverse les murs. Sarah passant de combat duo. Oh bah j'accepte. Communication échouée, bah voyons. Bah si tu dis, c'est vrai, ça peut-être vrai, hein. Voilà, on va lui donner un acier, ça va faire du temps. Si tu veux, Chanel, et à moi si ça t'intéresse. XD.
Ouais, mais il a supprimé ses messages, mais je pense que t'as eu le temps de lire. Salut Starossa. Salut Emily, ouais, si tu veux, je vais faire un échange. Dis-moi comment tu t'appelles sur Pokémon. Ouais, je vais te le passer si tu veux. Bonjour, Knight Yveltal. Ah non, je me suis trompé, c'est juste que je regarde juste un truc sur Instagram, donc du coup je vois pas ce que je fais. Tiens, voilà ou pas.
Mais je suis déjà sur Pokémon Saphir Alpha. Ouais, gamer, mais je dois d'abord faire un échange à celle qui s'appelle Emily. Sauf que Emily Cubo me dit toujours pas qui aller sur Pokémon. Ah, pas grave. Bah, je t'en ferai un autre après. Bah, je le connais pas. Mais ce que tu peux faire, c'est tu déposes un Pokémon à la GTS, tu demandes celui que tu veux. Et après, je te fais un échange. Et si tu veux, je te mettrai dans les amis. Bah tiens, fais la même chose aussi, Gamer76. Tu déposes un Rayquaza ou tu veux un Rayquaza à Milly? Parce que moi, faut juste que tu me dises le Pokémon que tu déposes. Ça, je savais pas. Bon, on va voir s'il va s'abonner à la chaîne. Ouais, j'ai Galiking. Bah, je sais pas en fait, faut peut-être le faire quand tu le captures. D'accord, elle déposait le lionceau. Je savais pas que S il avait 30 ans. Ah bah c'est Adixia. Bah voilà Adixia, maintenant que tu t'es abonné à la chaîne, je te ferai des échanges.
Bon, maintenant il faut voir les 10 likes. Si ta DS n'est pas hack et qu'elle est juste en pro launcher, c'est normal. Attends juste Valentin, il faut que ton Pokémon respecte les attaques de... Tu peux pas mettre n'importe quelle attaque. Faut que tu respectes les attaques qu'il peut apprendre normalement. Voilà Istarossa. J'ai un Pokémon avec un surnom Hack. On va voir si je peux te le passer. Ce Pokémon ne peut pas être échangé. Oh merde, j'ai fait crash mon jeu parce qu'en fait j'ai cliqué sur A alors que normalement il n'y avait pas de Pokémon. Parce qu'en fait j'ai effacé Nardinamouk de mes boîtes. Hello Ali!
I reboot my DS. My DS has bug. Look at my hack. Bon, on redémarre NTR. Yes, XD. Ouais, non, mais en fait, ce que je vais te dire, c'est que Nardinamook. En fait, j'ai fait Start et L pour copier mes Pokémon sans qu'il y avait Nardinamook. Ce qui veut dire que quand je faisais un start R pour recoller mes Pokémon, Nardinamook n'était pas présent sur les boîtes de collage qui étaient insérées dans la mémoire. Du coup, ce qui fait que pour le jeu, c'était comprimé comme un fichier corrompu. Seulement, il y avait toujours un Pokémon qui était présent sur la boîte. C'est un peu pareil quand tu recolles tes Pokémon, c'est toujours le Pokémon avant qui est là. Faut que tu te décales d'une ou deux boîtes pour que ça disparaisse sur ton écran et que ça se refresh. Je croyais que c'était ton ami Max, même s'il avait un nom de chien. You want a new Pokémon, Ellie? Now I want multi. Go with me, Ali. Take place two. Oh, fais chier, c'est ce connard de Lucas qui est venu. Bon, bah, tant pis. Il a que des Darkrai. Ouais, il est.
Bon, je pense que la démonstration de Pterae. Ah, ça rage quitte. Ah, c'était toi, je pensais que c'était quelqu'un qui venait pas. C'est juste que je voulais mettre avec elle. Et je t'ai dit, avec moi, il faut toujours tout prendre au deuxième degré. On retente. Allez, tu loulou. Cool, je vais pouvoir me mettre avec elle. Oups. Salut Pilou. Ah, ils ont rage quit. Salut Seida. Pourquoi toujours un... oui, il y a 999 PV, mais Zeta il dit que c'est faux. C'est un faux code. Enfin, c'est pas un faux, mais c'est juste une apparence. Et ton Pokémon n'a pas vraiment de PV. Je sais Chanel, mais Zeta il va travailler sur un nouveau plugin là je pense pour XY dans pas longtemps. Peut-être pour les vacances de février. Ben déjà pour celle de Noël il devait faire le... Je croyais qu'il voulait faire le plugin XY. Mais ça se trouve. Mais t'as les attaques, tu peux faire trou noir Chanel. Sur le plugin que t'as, tu peux faire trou noir. Tu peux aussi faire le géocontrôle. Et tu actives avec les attaques. Tu cliques sur Select, tu ouvres le code attaque, tu fais L plus A, X plus A, Y plus A, B plus A, flèche du haut plus A, flèche du bas plus A, flèche de gauche plus A.
R plus A aussi. T'as tout sauf Y et X et Start, je crois, plus A. Ouais, j'ai Gally King.
Bon, après Valentin qui voudra un échange. La revue Starossa.
Ouais, j'ai mieux touché Nice si ça t'intéresse. Mais dis-moi, t'es qui sur Pokémon, toi? Ah, Lydie, tu dois être la sœur d'Adixia. Ou tu dois être Adixia. Avec un autre compte. C'est Lydie ton vrai prénom? Alors c'est Emily là, non c'est ça? C'est Emily ou c'est Lydie ton vrai nom juste pour savoir? Ah, t'as encore un mec qui se fait passer pour une meuf. Et bah, c'est pour ça que je faisais jamais d'échange avec toi. C'est de ta faute. En général, quand les mecs ils prennent des filles, il y a peu de chances que je les vois dans le PSS. Je sais pas, c'est un bug qui est présent sur ma DS. Je sais pas comment je l'ai foutu pour le mettre là. Mais vu qu'avant il m'a jamais causé de problème. Enfin, je pense que c'est un bug ou un truc comme ça. Mais à chaque fois il y avait un mec qui prenait un personnage perso, un fille perso, il se plaignait souvent que je le voyais pas ou des choses comme ça. Ou se plaignait que je faisais pas assez d'échanges avec lui. Bon, c'était quoi ton pseudo gamer 76 et tout?
Ok, d'accord. Bon, elle, c'est sûr, elle a tout Marie. Ah oui, merde, c'est vrai, je vais faire un échange de pied après. Ça fait longtemps que j'ai pas fait. Fais chier, c'est ce connard d'asiatique qui s'est mis avec moi, je voulais pas me mettre avec lui, j'étais avec Marie avant. Je vais voir ce que ça fait si je me mets là. Ouais, non, il change pas de place.
Ouais, j'ai vu, ça crache. Ah non, c'est lui qui a crash, ok. Et Marie aussi, par la même occasion. Ben là je fais pas d'échange, là je suis en train de faire un triage entre ce que je garde et ce que j'efface. Et puis je sais même pas t'es qui sur Pokémon. T'as pas le même pseudo sur Pokémon que sur YouTube. T'es pas connecté pour moi.
y a personne, mais y a personne. Ouais, c'est vrai, c'est un mercredi plutôt calme. Mais pour moi, t'es pas connecté, Lucas. Bah pas vraiment en tout cas. Tout à l'heure j'ai vu. Peut-être que le bug est réparé maintenant. Mais tout à l'heure il était pas connecté il y a 2 minutes. Ah bah c'est bon, t'es réapparu. Eh ben dis donc, toi tu bugs de ouf.
Bah oui, toi tu veux que des ouf. Et hop là, encore un bug. Restarossa. J'ai peut-être devoir redémarrer ma DS, hein, si c'est moi qui n'ai pas de bugger. J'ai retenté un multi. Mais cette fois-ci, j'ai activé les codes.
Ouais, d'accord, je te fais un échange. Ouais, mais toi tu bug. Je te fais un échange, tu bug ou tu viens dans mes multi, tu bug? Quand j'aurai démarré ma DS, je t'offre un autre échange de combat. Ah, cool. Alors fais voir ton plugin, Chanel. Ouais, c'est possible, Igorot. Oui, mais tu peux avoir les attaques. Bah non, des fois j'oublie un peu les personnages, hein. Surtout si vous changez de pseudo. Parce que moi, Teemote Verte, ça me dit rien. De quoi, non, désolé, Chanel. Je te déteste même. Ah bon? Je déteste personne, moi. J'ai jamais dit que je te détestais. Regarde, la dernière fois que tu m'avais demandé un Pokémon, je te l'ai fait là. Pour le crachin avec Tarpoy et l'autre là. Le gros pélican. Ah, merde, il est pas là mon code. Oui, je sais, c'est Fire et Chanel. Ah oui, je pensais qu'il parlait à moi, j'avais pas pensé qu'il parlait à Chanel. Issou. Ah, tu. Lena slash HLM.
Il y a des gens qui sont là, là. Oh non, parce que là, quand je voyais personne qui parlait. Non, parce que sinon ça bug. Mais non, Chanel, tu peux avoir les attaques comme trou noir. T'imagines? Tu prends Megavolt et tu fais trou noir. Ou prends Trousselin et fais trou noir. Parce que là j'ai un nouveau plugin. Mais quand j'utilisais le même plugin sur XY, j'étais toujours étonné de voir mon Pokémon KO. J'ai hâte de démarrer ma DS.
Ah, ouais, toi. Bon, et Star Wars explique-lui qu'il peut quand même avoir les attaques, mais que les PV ils bug. Enfin, Zeta il m'a dit qu'il allait faire un plugin XY si ça se trouve, et il va peut-être le donner à toi, il est peut-être aussi à Chanel. Non, parce que là j'ai un nouveau plugin. Là c'est un nouveau plugin Rosa. Du coup, ça marche beaucoup mieux. Oui, parce qu'en fait Star Rosa c'est un faux code. Enfin, pas vraiment un faux code. Zeta a expliqué que le code, c'était juste une apparence. Ça donnait pas vraiment de la vie à 989. Par contre, celui de Ruby Omega et Saphir Alpha, lui, il donne bien la vie à 99. Et je le sais parce que quand je fais Giclée d'eau avec Akyogre, même des Florizarre étaient one shot. Alors que normalement, Florizarre, il peut perdre au moins la moitié des PV maximum. Elle m'a ramené une allemande, mais c'est une allemande ou quoi elle? Ah ouais. Allez, je vais rigoler un petit peu.
Voilà, c'est ça. Mais après, c'est chiant et ça sert à rien parce que tu vas bugger, Chanel. Parce qu'à chaque fois, enfin, dans les combats solo, ça peut encore aller. Mais quand tu seras dans les combats multi, ça va être chiant pour le partenaire parce qu'il va toujours devoir attendre les autres 1 minute 30 le temps que tu mets un bon autre Pokémon au pif. Et ce qui va t'emmerder, c'est que tu pourras. C'est que si tes deux Pokémon sont KO, après ça va tout le temps bugger, ça va tout le temps bugger, ça va tout le temps bugger. Enfin, on pourra plus toucher ton Pokémon et toi ton Pokémon il pourra plus attaquer. Ce qui veut dire en fait tu auras un zombie. J'espère cette fois-ci. Tu viens avec moi ou pas Firestone? Ou tu me laisses avec l'Allemande? Ah, évidemment. Qu'est-ce qui te fait rire, Chanel? Non, mais c'est pas grave. La prochaine fois, tu te mettras avec moi. Comme ça, on pourra défoncer des petits coups. Je les ferai après le live, l'échange. Oui, gamer, il dit ça, gamer, il dit ça. Mais à force de me dire des trucs, moi, je vais finir par l'avoir que dans la tête. Moi, je serais sûr de pas l'oublier. À force que gamer me dit, gna gna, échange, gna échange. Moi, je suis sûr de pas l'oublier, lui. Ouais, toi tu voulais quoi déjà, Starossa? Parce que, non, je veux dire, Firestone, tu m'as dit un truc, mais toi j'ai oublié ton truc. Je crois que tu m'avais demandé un. Qu'est-ce que tu aurais pu me demander, toi déjà? Un Vigoroth. Voilà. Bah, moi de la chance, j'en ai pas besoin. Par contre, je suis désolé, mais je vais utiliser mes attaques hack. Non, mais c'est pas grave, là je dis pas ça méchamment énervé. Malak des Pokémon pourris en plus. Oui, voilà, n'utilise pas le code des PV, mais utilise plutôt le code des attaques. Oh non, pauvre petit Goudra. Mais c'est marqué, tu fais toujours L, A, t'as trou noir par exemple. Je sais que dans gauche A, tu peux avoir. Moi je le vois souvent dans les passants Maël. Et en plus, je crois que t'as même Myria Flèche, et ça permet de toucher les Pokémon vol.
Ah. T'imagines si tu actes à DS, Timothée, toi aussi tu pourrais faire comme moi, ce genre de truc. Et en fait, juste pour savoir, est-ce que c'est toi que les gens appellent Tim? Parce que j'ai souvent vu des gens qui disaient Tim, et je me suis toujours demandé c'est à qui qu'elle parlait, surtout des filles. Elle est pas si nulle que ça. Enfin, si, elle est si nulle que ça. Qu'est-ce qu'elle est catastrophiquement nulle, cette fille? Eh ben heureusement que Oupa TV est là. Hein. Ta 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 ta. Désolé ma petite U. Non je rigole, désolé Eulalie, j'avais pas vu ton petit message. D'ailleurs, Chenet, ce que je te conseille de faire, c'est peut-être que tu prends un Zygarde, tu fais Danse Raccoon avec ton Zygarde, et après tu démarres le cheat des attaques et tu fais L plus A. Mais demande à Zeta s'il est d'accord. Tu lui dis que. Enfin, moi, s'il faut l'accord d'un hacker, tu dis que moi, je trouverais ça cool que tu puisses hacker. Et de toute façon, tu dis que t'es la power save et que tu donnes déjà beaucoup de Pokémon, et tu dis que ça pourrait te faciliter la tâche. Parce que si il veut bien te donner le vieux plugin NTR comme à Chanel, je sais que t'as aussi un Miraflèche et Miravague là-dedans. Il le fait gratuitement. Il a fait gratuit pour Chanel, il a aussi fait gratuit pour Restarossa. Ils ont juste fait un appel sur Skype ou sur Discord en vocal. Et après, il fallait que tu télécharges TeamViewer sur ton PC pour que Zeta puisse prendre le contrôle et qu'il fasse des manipulations. Et si toi, t'as pas peur de parler avec le vocal, bah tant mieux parce que Chanel, je pense qu'elle a dû lui parler par message. C'est peut-être pour ça que ça a dû prendre plus de temps pour elle. Parce qu'elle a pas de micro sur son PC. Mais si toi, tu peux parler avec ton PC, ça va prendre même pas 1 heure, je pense. Ouais, d'abord je vais faire un échange. Je vais voir ce qu'elle en pense, Tessa. Attends, je vais lui dire. J'ai gagné. C'est ma victoire. Icheb Ah. Je vais essayer de le trouver. Mais il est sur mon serveur Discord, c'est un modérateur. Il s'appelle KKXD ou XD ou je sais plus quoi. Je sais qu'il a mis un truc comme ça pour rigoler.
Ça sert à pourrir la vie des Français. Hola, ¿qué tal, René Gracia? Bah non, parce que ça peut être important, parce qu'au bac tu peux l'avoir. Mais si tu dois t'en prendre à quelqu'un, c'est aux Américains que tu dois t'en prendre. C'est à cause d'eux qu'on doit parler anglais. Du coup, si tu veux pas être gentil avec eux, eh bah t'es pas obligé. Moi je les aime bien, donc je suis gentil avec eux. Parce qu'en fait, c'est eux qui ont le plus de personnes qui parlent couramment l'anglais. Et vu qu'ils font beaucoup d'exportations, d'importations et tout, c'est grâce à. Enfin, c'est leur pays qui font en sorte que l'anglais est la langue la plus parlée universellement. Mais s'ils avaient décidé de parler français, ça aurait pu être le français la langue la plus parlée. Déjà, c'était la langue la plus parlée au temps du Moyen Âge. Et des Lumières et tout ça. Mais qu'est-ce qu'elle est conne celle-là? C'est pas possible. Je lui dis 100 fois le truc. Oh là 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 là. Bon, bah moi j'en connais une qui n'aura pas de shiny. No shiny for Lena. Mais je peux pas faire d'échange avec toi. T'as été banni de ma DS. Parce que tu étais abonné à ma chaîne avant, mais vu que je refusais tes échanges parce que tu me spammais trop. Et bah, t'as dû être banni de ma DS et maintenant que tu vas revenir, regarde. Alors, lui, il a pas été banni de ma DS. Et Louise, elle y est toujours. Chloé, elle y est toujours. Théo, ah merde, j'ai plus Zidox. Mel, je l'ai toujours. Marilou, je l'ai plus, mais. Donc. Anthony, ça c'est Ali, ça c'est un quelqu'un, c'est normal. Lila, pas de chance. Lola, elle a été supprimée. Bastien, Victor, Mirical, Emilisha. Spinslena, ok, et bah c'est enfin, c'est pas trop tôt. Elle a pris tout son temps cette petite femme pour venir. Est-ce qu'elle s'est vraiment abonnée à la chaîne? No, cette chaîne YouTube order no shiny ditto for you. Sans t'ennuyer, c'est ce que tu peux me faire un échange, s'il te plaît, car je. Ouais, toi, je vais te faire un échange rien pour te faire chier parce que toi, tu t'abonnes à ma chaîne. Et qu'elle est pas abonnée à ma chaîne, cette connasse d'allemande. Alors, on va te prendre toi en échange. Voilà. Ouais, j'en fais trop des fois. Et il faut toujours me prendre au second degré. Toujours, toujours, toujours. Bon.
Il est où le petit Lucas? Le petit Lulu? Nain Lena. Zed chaîne YouTube, odeur no shiny ditto. Ah, tu parles de Tidox là? Je pensais que tu parlais moi quand je disais un petit peu des gros mots ou quand je faisais un peu des genres de scènes ou des choses comme ça. Ok. Elle s'abonne à ma chaîne ou pas la petite nazie? Non, toujours pas. Bon bah tant pis. Hein. Ouais! Mais elle est bête comme ses pieds, celle-là. MDR, je parie, je suis number one. Stop, arrête, là, j'en peux plus vraiment. Et je sens qu'il y en a un qui va se pisser dans sa culotte. Il y en a un qui va pisser dans sa culotte dans pas longtemps, j'ai l'impression. Oui, bah il veut pas parce que toi tu fais chier, tu aurais pas de spammer tout le monde. On va faire un marché. Tu t'abonnes. On vous regarde si tu t'abonnes à la chaîne. Mais de quelle chose tu parles? Tu parles de la chose allemande? Non! Stop it! Das ist mein Tito! Elle pleure! Lena, ich hab Fixbox Code, look at. Démonstration. Là, j'ai le bug bizarre. Je fais start R. Et là, j'ai encore un dito. Mais en fait, je crois que Ditto, c'est le seul Pokémon qui n'est pas dans une Chanel, en fait, j'ai oublié de te dire, mais il y a un Pokémon qui n'est pas abonné à la chaîne. Enfin, qui n'est pas Shiny. C'est celui-là. C'est le seul qui n'est pas Shiny. Enfin, je veux dire, qui n'est pas en mémoire ball. Enfin, moi, c'est ce que j'ai remarqué pour l'instant. Ah, je le mets en event. J'ai la flemme de le faire, tu peux m'en passer un. Toi, je parle tout.
Oui, mais toi, t'as déjà eu des Pokémon Shiny. Et en plus, l'échange est annulé, donc je peux quitter l'échange maintenant. Salut Carmine Quintel, ça fait longtemps. Non, surtout ne demande pas à Chanel, ça y est. Chanel, tu lui as pourri la chatte et elle en peut plus de toi. Et en plus, il me dit au moment où je quitte. Bon bah tant pis, ça sera la prochaine fois, désolé. Faudrait être un peu plus rapide la prochaine fois. Pourquoi est-ce que je peux jamais être confortable dans ce putain de pumard? Ah, c'est bon, j'ai trouvé une position bien confortable. Elle aurait pas bugué par hasard la DS? If you want ask me Pokémon, Lena, go this link. Oh non, 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 non. Bon bah. Ça a bugué, hein, je dois. Et je n'ai pas le choix, hein. Ah, il reboot my DS. Quand même 3 fois que ça bug. Je crois que je vais donner une fessée à Nintendo. Une grosse fessée pour Nintendo, je dis même. Putain, c'est où le truc? Ah, voilà. Enable debugger. Si, rien n'est gracia. Je crois qu'il a bugué l'écran tactile, tant pis. Il n'y a plus d'écran tactile maintenant. Donc en attendant, je vais agrandir un peu celui-là. Ah ouais, non, mais je peux pas l'agrandir en plus. Trade with me.
Ah oui, toi, c'est vrai, il fallait que je te donne ton truc. Toi Lucas, t'as déjà eu ton échange avant. Firestone, t'es on va prendre. Je suis avec qui en échange? Bon, attends, Estas, je te fais l'échange du bizarre pour mettre le Pokémon à la bonne place, si ça t'embête pas. Comme ça, j'aurai mon Pokémon à. Et puis après, je te prends ton Pokémon. Qu'est-ce qu'il m'avait demandé? Il y a eu déjà Vigoroth, ça doit être dans la boîte. Ok. Ya. Drachen Lord. Oh. Oui, je sais que c'est toi en échange, Timothée. C'est pour ça que je te parle à toi. Non, mais Issou, quoi. C'est pour ça que je te dis, je te donne ton Vigoroth juste après. Tu le mettras niveau 100, il devrait peut-être être. C'est pas moi. Je me demande s'il est bon en strat le Vigoroth. T'en penses quoi, toi, Timothée? Pour ce petit Vigoroth? Tu penses qu'il est bon ou qu'il est pas bon en strat lui? Je te laisse voir un petit peu. Je pense que. Je pense que je peux faire l'échange maintenant. Ouais, je sais, tu mettras level 100, mais je te montre pour la strat si t'es level 100. Ok, cool. Ah, celui-là, il est bon. Il faudrait que je vérifie quels Pokémon ne sont pas bons. Au pire, dès que tu es hacker, je te passerai ma save. Tous les Pokémon sont nom d'Oupa TV, mais tu pourras demander à Zeta qu'il te les mette au nom de Timothée TV ou de Firestone TV pour qu'il modifie ça. Et comme ça, tu pourras me dire tous les Pokémon qui sont pas bons en strat, parce que moi, je connais. J'ai quelques bons Pokémon et tout. Mais je sais, il y en a certains que. On m'a dit qu'ils étaient peut-être moyens. Il y en a certains que j'ai repéré moi-même. Enfin, après, moi, c'est selon mon point de vue. Parce que moi, je le joue pas du tout comme ça. Voilà, surtout les fois que j'ai vu. Faut juste que je le retrouve. Par exemple, celui-là, je le verrais plutôt avec un orbe vie que les lunettes choix. Bon, au moins avec les lunettes choix, on peut dépasser Darkrai. Bon, après, moi, ça ne me dérange pas parce que vu que j'utilise mon plugin, je modifie les attaques avec mon plugin. À la limite, ça change rien.
Mais après, pour les autres, c'est peut-être emmerdant. Lui, je sais qu'il est pas mal. Bon dans le choix. Surtout le Suicune, lui, je sais qu'il est abusé. Surtout que je me rappelle, il y avait une équipe où il avait aucun Pokémon qui avait le talent Absorbo. J'ai réussi à mettre KO tous ses Pokémon, rien qu'avec ce Pokémon. Attends, faudrait que je teste avec le Bugging maintenant que je peux faire d'autres attaques comme Laser Glace et tout. De qui tu n'as jamais vu avec les PDR? Tu parles de Meloetta? Ah, tu lui fais un Pokémon sans attaque. Et sans talent. Mais tu parles de... Oui, là j'ai vu qu'il est pas... Salut Pokinio Picanio. Ça faisait longtemps que je t'avais pas vu sur mes vidéos, toi. J'ai 6 steaks de super bonbons, lol. 6 steaks stacked. Je vois pas ce que je veux dire. Ouais, la forme. Un peu fatigué, mais bon.
Et tralala. Mais je lasse des devoirs et je dois préparer les vidéos et tralala. Ça fait longtemps que j'avais pas entendu le tralala. Ah, n'empêche. Ouais, n'empêche que rien en fait. Ouais, si tu veux, tu me le montreras. Peut-être que le Vigoroth, je le remettrai niveau 100 dans mon stock de recharge Pokémon. Parce que vu qu'il est joué évolue Rock. Non, peut-être le laisser niveau 50. Non, mais j'ai déjà fait un échange il y a pas longtemps. Pourquoi c'est un gamin et ça, il a dit quoi? Louis Starossa. Ouais, j'ai bien Marc Denis. Bon, lui il est pas sur le live, lui il est sur le live mais on s'en fout. Dana, on s'en fout de Dana.
Excuse-moi pour les voix, ma petite Vanilla CNL, re. Mais en même temps, comme tu dis re, tu veux que je fasse quoi? Tu veux que je te dise, tu veux une fessée, Ulali? Parce que quand les gens disent re, je vois pas ce que je pourrais dire, moi. Pas vraiment, vraiment. Je veux le baragouine. Ah bah d'ailleurs, ça me fait rire parce qu'il y en a qui baragouinaient d'espagnol, et vu que l'espagnol, des fois, ça ressemble à du français, je me rappelle qu'il disait qu'on sortait du fragnol. Ça m'a toujours fait rire à chaque fois qu'elle m'a sorti ça à la prof en disant ça, c'est du fragnol, tout craché. Par contre, j'aime pas trop parler, mais moi je l'écris à l'écrit quand même. Fringo, non c'est fragnole, mais ça fait toujours rire quand même. Le plus drôle, c'est quand notre prof, elle nous critique, enfin nous critique pas vraiment, mais je vous rappelle que pour un contrôle, il y avait beaucoup d'absents et il y avait un élève qui avait dit, comme elle voulait pas de rature, et que c'était. En fait, il y avait une feuille, on devait lire un texte en espagnol d'un magasin de vêtements Europa et d'un magasin de Zara et d'un autre magasin qui est au Japon qui s'appelle Ulkilo. Il fallait dire ce qui est en commun, ce qui n'est pas en commun et tout. Et je me rappelle, elle voulait pas de rature. Et je me rappelle qu'elle avait dit qu'elle avait critiqué parce qu'il y avait des élèves qui avaient besoin de 3 feuilles, même de 4. Moi, j'en ai besoin d'une deuxième quand même. J'avais fait tellement de ratures en me disant ah merde, il fallait mettre ci, il fallait mettre ça et tout, que vers la fin du contrôle, pour tout recopier au propre, j'en ai demandé une deuxième quand même. Et ça m'a fait rire quand il y en a une qui en a besoin d'une troisième. Compliqué, ouais, compliqué. Ah, montre-moi ton vigorote, j'ai passé tort ton cul au pif. On va mettre tort ton cul. Alors, avec l'évolu rock, ça lui fait comme s'il avait 329 en défense spéciale, donc ça peut pas être mal. Et 296 en défense physique. Ouais, je pense que ça peut passer. Enfin, je... En attaque, il a combien? 109. Et la plaquage et la gonflette. Ouais. Ça m'a l'air tout bien issou tout ça.
vas dormir en SPC, il écrit mal le prof. Bah tu sais, il y a des profs qui peuvent mal écrire et d'autres qui écrivent bien. Hein. Tu sais, personne n'a forcément une écriture super, super, perfect, perfect. Bon, je sais pas quoi échanger, hein. Je sais même pas avec qui je suis en échange. Ah, c'était toi, Firestone. Non mais il fait chier Lucas, je crois que je vais le hacker lui parce que ça fait 3 fois que je lui dis qu'il a déjà eu son échange aujourd'hui. Il me casse les couilles. Désolé de dire ça méchamment mais bon, je t'ai déjà dit plusieurs fois gentiment non et tout, et toi tu continues, tu continues, tu continues. Ouais, je vais prendre cette team. Je sais pas, pas pour l'instant. Ouais, arrête de spammer gamer quand même.
Tu me diras lequel tu veux, qu'il y a rien une saison pour l'avoir. Bah, tu me le passeras. Bah, en fait, pour acquérir le jeu, il faut que tu hack ta DS. Sinon, tu peux avec l'Ombre Launcher. À la limite, avec l'Ombre Launcher, tu peux juste créer des Pokémon à partir de PKSM. Mais si vraiment tu veux avoir un plugin pour faire un peu n'importe quoi comme attaque, il faut que tu hack ta DS comme moi. Le plugin que je fais apparaître comme ça, là, avec Select. Ce qui est ça marche que avec une DS, ça par contre. Hop là, moi je connais une fille qui va se prendre une fessée. Bah avant c'était facile avec l'R4. Parce que moi je faisais ça en quelques étapes. Un, il fallait que je hack ma R4. Donc je prenais une carte SD de 4 Go. Je mettais des données. Deux, je mettais la carte SD dans la DS. Et je mettais ma cartouche dans la DS. Je démarrais la R4. Comme si je démarre un jeu et je sélectionnais le fichier qui permettait de hacker la cartouche. Après j'éteignais ma DS. Quand je la rallumais, la cartouche ne pouvait plus être détectée par la DS, ce qui était fait exprès. Après je mettais la carte SD de ma DS dans le PC, je mettais quelques petits fichiers. Ça marche plus avec le bug du Sandrax. Moi j'ai tout raconté, vraiment tout ce comment j'ai fait. Après, je mettais la carte SD de ma DS dans ma DS et avec la R4. Après, je faisais l'étape que tout le monde connaît. C'est j'éteins la DS et que tout le monde a dû voir sur YouTube. Je clique sur X, B, Select et Power. Et je l'allume jusqu'à ce que ça mette un menu bizarre. Après, je sélectionne le bon truc, ça c'est le bout de point firme. Après, j'éteignais ma DS. Je remettais la carte SD dans le PC et je modifiais juste une ou deux données. Après, qu'est-ce que je faisais? Et après, je la rallumais. Non, Ocarina ne marche plus. Enfin, ouais, je pense qu'il marche plus maintenant, même pour les New. Je sais que pour les Old, il marchait plus à partir de 11.7, 11.8. Ah, mais j'ai vite encore l'attaque. J'ai trop la chance. Et après avoir remplacé les deux fichiers comme je vous ai dit, je remettais la carte SD, puis ma DS hack. J'avais juste à démarrer l'Ombre Launcher. Après l'Ombre Launcher, je faisais le truc là où je fais le debugger menu Miscellaneous House pour faire en sorte que la prochaine fois que j'ouvre l'application. Oh putain! Ah non, c'est bon. J'ai cru que j'avais donné la vie à l'infini. Ouais, je parle bien pour 3DS. Ah par contre la Madès à la crash. J'ai crash, j'ai crash, j'ai encore crash. J'ai crash, oui. C'est la faute de Jessica si j'ai crash. Non, je déconne Jessica. Toi, tu sauras même pas faire crash un Kikou. Mais maintenant, oui, c'est vrai que c'était pas si compliqué parce que, à la limite, toi, si tu veux.
Je te ferai un appel Skype ou Discord ou Snapchat, ce que tu veux, si jamais t'as besoin d'aide. Mais c'est vrai que c'était pas compliqué. T'avais juste à faire un truc de la carte SD. T'avais juste à avoir besoin de deux cartes SD, enfin d'une. Parce que quand t'as une DS, normalement t'en as une d'offerte. Enfin, t'en as une qui est dans la DS. Mais c'est vrai que t'avais juste besoin de une carte SD. Oui, ça marche vraiment le LR Start. À ton avis, comment tu crois que j'ai tous mes shiny, ma petite Nekka? Et t'avais juste à faire des petites manipulations qui étaient assez rapides. Bon, on va dire en comptant pour hacker, on va dire que pour hacker une DS en faisant l'étape de l'R4 et l'étape de la carte SD et tout, ça me prend à peine, ça m'a pris à peine 10 minutes. Et quand j'ai dû hacker ma deuxième DS, c'est-à-dire que j'avais déjà l'R4 hacké, mais j'ai dû faire la technique de je mets les données qu'il faut sur la carte SD de la DS, je fais la technique de l'aimant et de XB Select et Power. Que j'installe le bout de point ferme et que je refasse une deuxième installation de données, ça m'a pris à peine 3 minutes pour faire ça, même pas. Nein, Anna, Multicampf, Notoschen. Mais des fois, il faut savoir être dur avec les gens. Power save 5 minutes. Oh, mais Timothée, power save, ça fait un peu gamin. Tu vois, la power save, ça fait un peu. Je dis pas ça méchamment, mais. C'est vrai que maintenant. Je crois qu'il y a quand même des trucs sur power save qu'on peut pas faire, il me semble, avec. Que je ne peux pas que je ne peux pas faire avec le hack de la truc. Mais je sais pas lesquels c'est. Mais ce que j'aime bien en tout cas, c'est que je peux trafiquer le temps. Ça, c'est un truc que j'ai toujours voulu faire. Surtout quand je jouais à XY. J'ai toujours voulu modifier le temps parce que moi j'aime bien quand le temps il est un peu à zéro. Vous allez voir. Là, temps de jeu, 237,19. Normalement. Oh merde, il marche pas mon plugin. Attends, on va redémarrer le truc. J'espère que ça va marcher là. Non, ça a crash. Bah, l'R4D, ça doit coûter au moins dans les 20 euros. Mais maintenant, je suis pas sûr qu'on peut qu'elle y soit toujours. En tout cas, quand je voulais aider Chanel à hacker sa DS pour l'été, c'était vers le mois de juin-juillet. Il n'y avait plus il n'y avait plus que deux R4 Gold comme moi. Non, non. Pour changer les temps du jeu, il fallait avoir PKSM. Parce que tu vas dans un trainer info. Et t'avais un truc pour changer le temps de jeu. Parce que moi, j'aime pas qu'on a 999. Tu vois, j'ai une Almi. C'est une Allemande. Elle s'appelle Lena. Bon, elle a peut-être dans les 70 000 bravo. Mais par contre, elle a le temps de jeu au max. Et moi, je trouve que c'est un peu chiant d'avoir le temps de jeu au max. Je trouve que c'est un peu plus stylé d'avoir dans les 100 heures. Enfin, moi, je trouve. Re Chanel. T'es parti t'amuser avec ton petit ami Max pour faire waf waf. Je rigole Chanel bien sûr. Hein. Maintenant il y a une technique, mais elle est super chiante. Enfin moi je trouve qu'elle est dure et j'espère ne jamais avoir à la faire. C'est pour ça que je suis bien content de prendre soin de mes DS, moi. Et de pas être du genre un riche qui fait jamais attention à rien et qui doit tout le temps, qui s'achète tout le temps tout parce qu'il ne fait pas attention à l'argent.
Moi, je suis bien. Moi, je fais toujours attention à mes DS parce que la nouvelle technique, mais elle a l'air super chiante. En plus, je crois qu'il faut que tu réinitialises ta DS juste pour la faire, mais je suis pas sûr. Non, je pense pas que c'est obligé. Je pense qu'on n'a pas besoin de la réinitialiser. Non, il fait waf dans son coin. Il saoule. Anna, Anna, do you want multicamphana? Oh là là. Et do égale besté, TV. Ça va droit au cœur, Anna. Ouais, bon, toi, je te fais un échange. N'empêche, tu m'as tué Chanel parce que hier j'ai vu quand tu avais dit Max égale nom de chien et que tu avais marqué aussi ah, juste après waf waf. J'étais mort de rire moi. Surtout pour le waf waf. Elle marche encore, même si les deux écrans sont reliés par un fil. Attends, j'aimerais que tu montres ça par Snap si tu veux bien. C'est mon Snap, Neka. Prends mon Snap, j'aimerais que tu m'envoies une photo de ta DS cassée pour voir un peu à quoi elle ressemble, si tu veux bien. Oh, c'est Adixia qui s'est mis avec moi. Ah, elle m'a ajouté à ses amis. J'ai hâte de voir à quoi elle ressemble sa DS là. Est-ce que ta DS elle est en 11.7? Ou 11.8 parce qu'il faut qu'elle soit 11.7 ou 11.8. Je pense que 11.6 ça peut. Non, je veux dire 11.6 ou 11.7. 11.8, je suis pas sûr que ça marche. C'était toujours là, bien sûr. Parce que c'était plus là, je te le dirai. Ok, j'ai Discord. D'ailleurs, Chanel, j'ai une question. Hier ou avant-hier, tu avais dit. Un truc, c'était genre t'aimes pas ou pas ou pas t'aimes pas. Et oui, t'avais mis ça, t'avais mis. Donc tu parlais de qui ou de quoi parce que je comprenais pas trop ce que tu disais. T'avais dit ou pas, t'avais mis t, t'avais mis un cœur après et après t'avais dit t'aimes pas. Donc tu voulais dire que quelqu'un m'aime pas ou c'est moi qui n'aime pas quelqu'un. Maintenant que je pense à te le demander, c'était juste pour savoir. Bah faut que tu regardes, tu vas dans les paramètres. Et normalement, en bas de l'écran tactile, tu auras un chiffre. Nolwenn Cookie. Ah, toi aussi, t'aimes les cookies. Je me rappelle, un moment, je vais t'appeler Cookie Boy. Ah oui. Ah oui, je vois c'est quoi ta DS. Ah oui, mais ça peut pas marcher cette DS. Ça c'est une vieille DS tank, une vieille DS qui n'est pas les jeux 3DS. Ah, tu parlais à Sai. Bah oui, je l'aime pas. Il est chiant. Ah, 11.9. Bah là, tu auras besoin de l'aide de Zeta.
Bon, en tout cas, je vais faire ça pour ceux qui veulent faire des demandes shiny. Team avec Vigoroth. Non, je sais même pas qui t'es sur Pokémon. C'est lui, Max. Max passe à l'attaque. Mais il n'est pas connecté, le petit Max. Jessica, are you here? Yes or no? Faut que je réactive. Fixbox, mouvement, World Stroke, World Speed 2, téléportation. On va faire un code de téléportation. On va faire comme dans Harry Potter, un petit peu de magie. Oups. Yep, moi j'ai encore crash. Génial. Oui, téléportation. Je peux me téléporter. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, bien sûr. Qu'est-ce qu'il a supprimé comme message? Il a niqué le game. Oui, on peut dire ça. On peut dire ça. Killiam. C'est un peu exagéré, mais bon. Est-ce que ma tête, elle va marcher au moins?
Non, ça marche toujours pas, il faut que je la redémarre. My new code. I don't have new code, Jessica. J'ai volé le Pokémon d'un dresseur. Regarde, c'est un Rosa. Ça va marcher ou pas? Non, il a pas marché le clavier. Ah oui, d'accord. Ah yes, ah the new code hack. Ah yes. I show you. Bon, ma DS a encore crash. Ouais, il y a anti-kikou. Ouais, j'essaie de te spammer avec Jisoo. D'ailleurs, je sais même pas ce qu'elle est devenue, la petite Jisoo. Non, c'est Edu TV ou pas TV, le best. Bon, c'est pas une supprimer le message, Chanel, quand même. Je comprends pas comment vous faites pour pas vous supporter, alors que vous êtes quand même sympas tous les deux. En fait, je me demande pourquoi vous vous détestez, vous deux. Oh non, ça va encore bugger. Fais chier. Je crois que ça va l'air de bugger là. Ouais mais qu'est-ce qu'il a fait? Ouais mais je demande qu'est-ce qu'il a fait pour que vous puissiez pas vous supporter? Il a dû se passer un truc entre vous deux, non? Genre je sais pas moi. Quelqu'un a dû insulter quelqu'un ou... Ouais, mais qu'est-ce qui fait pour que tu le qualifies de connard? Bon, ça, c'est le Fixbox code
Comme d'habitude, je le remets. Jess, it's my new code. This code is for walk speed. The character move fast. Ouais. Attends, il a bien, j'ai bien activé le truc là. Non, j'ai pas activé le fast move aussi. Oui, bon, si j'ai dû activer. Il a pas l'air activé le fast move. And now I can. Non, ça n'a pas marché. Yes. I can walk on obstacle. Y a quoi par là-bas? D'accord. Par là-bas, c'est tout vide. Y a rien du tout. Nada, kedal, ninch. On va peut-être avancer par là. Attendez, faut que j'écrive un truc. Ouais, c'est bien German, Bavière. Ouais, donc elle parle allemand. Non, Alex! Bon, attendez, faut que je lui dise un truc à elle. Dire ça. Voilà. Allez, parti.
Ouais, ça fait trop bizarre là. Ah, mais c'est trop cool. C'est plus rapide, non, pour passer d'un côté à l'autre. Ouais, c'est vrai qu'avec le passant, on va générer comme il faut. Oui, mais Zeta va pas te dire, il faut l'accord d'une personne que je connais très bien. Et tu parles de quelle personne, Chanel? Ah oui, loi. Ah, t'avais loué un ami? Robert. Il s'appelle Robert, le mec. J'aime pas ce prénom. Je trouve que c'est un prénom pour vieux.
MDR, tu parles pour moi maintenant? Ouais, c'est vrai que j'ai marché sur l'eau tout à l'heure. Par contre, t'as pas de chance, c'est Starossa parce que toi t'as un plugin NTR et les NTR, à ce qui paraît, ils peuvent pas prendre le code de traverser les murs. Oh Chanel, je suis sûr que même s'il vient à cure le petit Firestone, tu vas pas arrêter Pokémon. Tu vas quand même pas arrêter un jeu que t'aimes bien seulement parce qu'une personne que tu n'aimes pas te vient à cure. Il n'y a que Adixia. De toute façon, on n'est plus que 6. Yes, Naruto is better than Boruto. Et moi, je... Right now, Karina, aide. My opinion is... Ça fait 2 personnes sur 8 qui aiment bien le Issou. Ah, on est 10 maintenant. Ah oui, je comprends, c'est parce que toi tu le supportes pas et tu l'aimes pas et tu veux pas le voir dans ta famille d'accueil. Ah si, moi je veux bien qu'il accède de max si lui il est d'accord. Mais après il faut que ce soit Zeta qui soit d'accord. Et je pense qu'il sera peut-être pas d'accord Zeta d'accéder celle de max. Parce que lui et Starossa il est proche un peu des hackers. Parce qu'il doit faire de la distribution. Et puis il doit être très bon en strat un peu comme il est hacker. Il doit avoir des bons Pokémon et tout puisqu'il fait ça avec sa Power Save. Parce que Zeta il me dit que c'est surtout Lua qui arrête pas à l'engueuler en disant ouais t'as peut-être tout le monde à qui la DS et tout. Par exemple, je me rappelle que je crois que c'était un peu. Ouais, c'était pour les vacances de Pâques, si je me rappelle bien. Il s'est eu une petite embrouille parce que tu vois, pendant un de mes lives, il a voulu hacker la DS de 3 ou même 4 personnes. Genre, il a voulu hacker ta DS, celle des Starossa et encore une troisième personne et tout. En tout cas, toi et Starossa, je crois que vous êtes les seules 2 personnes. Donc je me rappelle que vous avez eu la des sacs et qui viennent toujours souvent sur mes lives. Toi, tu dois prendre beaucoup de bravo, mon petit Estar. D'ailleurs, t'es où toi, Estar? T'es pas connecté, je crois, si. Ah, si.
Ah ouais, 57 000 bientôt. Toi, Max, tu dois faire waf waf pour les avoir. Qui est sur le live? Who is in my live? Comment tu please? Donc il y a Esta, il y a Fire, il y a Max et il y a Chanel, et il y a moi, ça fait déjà 5. René, ça fait 6. La 7ème, ça doit être Jessica. Et la 8ème, c'est moi. Et y a toi Adixia, ouais. Ouais bah on est les 8 personnes qui sont là. Non, hier c'est l'autre, c'est. Je pense que c'est elle là. C'est Karina doit être sur mon live mais elle parle peut-être pas. 9 maintenant on est. Est-ce que j'ai eu les 20 likes? 21 likes et un dislike. Nice et doux. Yes, nice carry. Ouh, y a Lisa. Yes. Bon, elle me met un yes, ça se trouve, elle doit être sur le live. Mais qu'elle veut pas parler sur le live. Pourquoi tu dis que t'habites en Nouvelle-Zélande Firestone? Look at Karina, I have good countries hack. C'est vrai, il y a un truc que j'aime bien. Il y a un truc qui s'appelle Saint-Vincent de Grenadine. J'espère que j'ai pas fait crash le truc. Iso. Chanel, tu peux faire un échange avec René Gracia, il est gentil lui. Regarde. Regardez où est-ce que j'habite. Oh merde, ça a pas marché. Saint-Vincent et les Grenadines.
C'est marrant, non? Ah merde, vous pouvez pas voir l'écran tactile. C'est dommage. Bon, je vais vous mettre un message pour ceux qui m'ont copain un ami. Mais vous allez voir, le pays, c'est Saint-Vincent de Grenadine. Saint-Vincent-et-les-Grenadines. Normalement, regarde mon nouveau message. Normalement, là, j'ai regardé, mais c'est censé être marqué Saint-Vincent-et-les-Grenadines. Ouais, ça va depuis tout à l'heure. Petite vanilla.
Arrête de dire que je suis petite. Ah, ça me tue comment elle s'énerve. Je vais bouffer des crabes vivants. Et pourquoi on n'irait pas sous l'océan pour aller bouffer des crabes croustillants, ma petite Eulalie? Si, si, moi je trouve ça très drôle. Bon, je déconne. Allez, j'arrête. Mais moi je trouve ça un peu amusant quand même. Un peu d'humour, mon ami, ma chère amie. Non, pas d'humour. Aucune idée. Ah, deux personnes qui me rendent à bravo et deux personnes qui ont refusé Shiny Gratos. Lol, elle a que 9 bravo.
Oh la connasse, elle a fait exprès pour me bloquer. Punaise, j'arrive pas à croire qu'on est 11 quand même.
Bon, je pense que je vais pas tarder à arrêter mon live, de toute façon il est 19h. Le truc c'est qu'on est quand même 10, donc du coup... Ouais, c'est vrai que ça peut être bien les Greninja parce qu'au moins... Bye, Jessica. I kiss you. Bon, j'ai pas voulu dire à un mec que je l'aime depuis qu'on se parle plus du tout. Voilà. Ah. Ah, et tu parles de qui? Fonzly Kiss. Tout. Bon. Want my friends. Je sais même pas avec qui je suis en échange. Est-ce que je suis avec toi? Parce que si je suis avec toi, je te le donne tout de suite, le tout. Bon, pas de réponse, tant pis, pas du tout. Yes, no, I don't know. Bon, dans 5 secondes, j'arrête les échanges avec toi si tu me réponds pas. Bon, au pire, je donne du tout à cette personne et puis après, tant pis, hein. Et pourquoi on mettrait pas Chanel et Estarossa en couple? Je suis sûr qu'ils iraient bien tous les deux. À moins que Chanel préfère son petit Maxou. Oui, bah, j'étais bien avec toi en échange, c'est bon.
Eh ben dis donc, normalement les rebeux ils sont censés être chauds pour être avec des meufs, et toi t'es tout froid. Tu vas venir chez moi, je vais t'emmener dans une expédition expéditive pour te booster à aller voir les filles. Je vais le booster moi le histoire ça. Tu vas voir. Tu vas te rallonger la vie éternellement. Re-RN. Ah bah oui, il y a RN. Il y a RN. D'ailleurs, je me suis toujours demandé de quelle origine il était son prénom. Je pense qu'il doit être espagnol, parce que je suis sûr qu'on peut prononcer RN comme le font les Espagnols, non? C'est ça ou pas? En plus, c'est le pote à l'autre. C'est le pote de qui? Attends, t'es en couple avec qui, Chanel? Et c'est le pote de qui? C'est le pote de ton patron, c'est ça? MDR. Non, mais j'ai pas ça pour moquer, c'est juste pour savoir, parce que je sais, il y a souvent des prénoms comme ça un peu en Espagne. Moi, je pense que lui, il a compris que je voulais rigoler. Et non. Eh, c'est comme moi, il y en a qui m'appellent comme ça, Edouard. Ou il y en a qui font Eduardo. Un peu comme fait mon prof pour rigoler des fois. On va le fracasser. Non, je peux pas vocal parce que là j'ai arrêté mon live. De toute façon.
Ouais, bon, bah, il est 59, là, je vais arrêter mon live. Donc, le prochain live, ça sera vendredi. Il y en aura aussi samedi, hein, comme d'habitude. Et peut-être un dimanche. Donc, je vous dis à tous, vendredi. Et prenez bien soin de vous, les potes.